T'aimes bien qu'on t'appelle Tim? Ah ouais, tu peux m'appeler comme tu veux. Pour la petite histoire, la compagne de Timothée, Elise, travaille dans mon entreprise, Andiamo, qui est une entreprise de management de sportifs de haut niveau handicapés, dont Timothée fait partie. Donc au-delà de ses performances en tant qu'athlète, sur 100, 200, 400, c'est-à-dire nos meilleures chances en athlète de médailles, c'est un mec bien, un mec très bien, et puis en plus il a trouvé quelqu'un pour partager sa vie. Enfin, il y a son chien évidemment. C'est pas les mêmes relations, en tout cas j'espère, mais c'est un mec bien comme on en a pas beaucoup dans le sport de haut niveau. Alors le compagnon qui est avec moi, Japlou qui est là, qui est un guide aussi, pas celui qui m'accompagne sur la piste, c'est encore un autre guide, celui du guide du quotidien on va dire. Alors Rio, pour moi c'est un challenge tout particulier dans le sens où les Brésiliens dans ma catégorie et dans ma discipline sont ceux qui sont pour le moment au-dessus. Mais on n'est pas désarmés, on a aussi ce qu'il faut je pense pour aller les embêter et éventuellement les battre chez eux. Donc c'est un challenge encore plus on va dire excitant et passionnant.